Oui, c'est Renanou. Puis en fait, j'ai lu vos commentaires et puis j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, quoi. Et donc, j'ai voulu savoir ce que c'était que la 5G parce qu'effectivement, je vois des ondes sur l'Europe, hein, vous avez vu dans ma vidéo. Et donc, quelqu'un m'a parlé de la 5G. Et effectivement, et je vois l'Agence spatiale européenne veut propulser la 5G dans l'espace et sur la Terre ferme. Mais ça, c'était en 2017. Donc, ça se trouve, c'est déjà fait, hein. Voilà. Donc, alors là, je me suis un peu instruite, vite fait, j'ai regardé ce que c'était la 5G. Donc la 5G, ça va connecter nos téléphones, nos portables, nos machins, nos trucs, deux fois plus rapidement. Enfin, on va prendre une seconde pour télécharger un truc, ça va être génial, soi-disant. Voilà. Donc, c'est bon. Et puis alors, c'est un enjeu économique, parce que, y a les Chinois qui rentrent dans la course, et je crois que c'est Huawei qui s'appelle, enfin bon. C'est un réseau de téléphones mobiles ou j'en sais rien, peu importe, en tous les cas, c'est vraiment une guéguerre, c'est une guerre, oui, en fait, c'est une guerre économique, hein, cette histoire que je vois d'ondes, bah, c'est effectivement, c'est possible que ce soit la 5G parce que si on parle de téléphone de connexion, donc je pense que c'est ça, et en plus que c'est une guerre économique, et je pense qu'on va la perdre. Voilà pourquoi je vois la pénurie sur l'Europe par rapport aux ondes. C'est ça, ça peut être que la 5G. Pardon. J'ai mal. Alors j'ai tout lu, hein, j'ai vraiment tout lu. Donc voilà, là, voilà, l'Union européenne se saisit de la 5G. Là, ça date de mercredi 26 juin. Donc ça va, hein, c'est. Voilà, voilà. Donc j'ai compris, je pense qu'en fait c'est ouais, un bon technologique, super. Mais moi je m'en fous un peu, hein. Je vous dis franchement, vraiment c'est. Et donc j'ai vu effectivement que l'Allemagne, Angela Merkel, est souvent en confrontation avec les États-Unis, donc avec Trump, parce que Trump ne veut pas qu'on se serve de Huawei parce que ce sont des Chinois et qu'ils vont nous espionner et patati et patata. Voilà un petit peu en gros ce que j'ai compris très rapidement. Voilà. Attends. 5G en commande de la commission. Alors, bon, voilà, donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Alors, soit on met la 5G là, comme ils l'ont fait, là, dans l'espace, et puis je sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, il se passe quelque chose, hein, voilà. Voilà, l'Agence spatiale européenne, hein, qui veut propulser la 5G dans l'espace, ben voyons. Et on vient nous parler du réchauffement climatique après, je suis morte de rire. Ils n'arrêtent pas de faire des trucs et des machins. Là, j'ai lu, attendez, là, vous allez rigoler. Ah oui, là, ils veulent envoyer en 2028, donc l'agence l'espace, l'Agence spatiale européenne, donc, hein, elle veut envoyer. Ah non, 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 elle veut pas envoyer, elle veut capturer. Attends. Veut capturer une comète. Non mais ils sont pas tarés. Ils veulent capturer une comète. Oui. Ils veulent capturer une comète tout juste quand elle est entrée dans le système solaire avant qu'elle n'ait été modifiée par le Soleil. Voilà. Pour cela, trois sondes vont stationner dans l'espace. Elle veut capturer une comète. Voilà. Mais ça va pas bien la tête. Alors, l'objectif est d'étudier une comète tout juste entrée dans le système solaire et donc indemne de modifications dues au Soleil et de l'intercepter. Très bien. Donc, pour cela, Comète Interceptor, il s'appelle le truc, sera lancée en 2028, peut-on lire sur le site de l'ESA, donc dédié à la mission. Il s'agira d'un engin spatial composé de plusieurs éléments. Attends. Une plateforme principale servant de centre de communication. Ah, et trois sondes. Ah, c'est peut-être ça que je vois. Alors, cette multiplication permettra d'étudier la comète en trois dimensions. Mais qu'est-ce qu'on. Enfin, je veux dire, alors, cette mission, en fait, voilà, elle sera envoyée vers une comète pour intercepter des sondes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, mais tout ça pour étudier la comète, pour voir, voilà. Alors, étudier la comète. Alors, voilà, ça peut nous éclairer sur les débuts du système solaire, voire l'apparition de l'eau et la vie sur Terre. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils veulent capturer une comète, voilà, en 2028. Enfin, là,
là, je vous dis, on est parti dans un truc à la one again. Hein. Ah voilà, ça va. Voilà, donc. Alors, bon, je pense que c'est cette histoire de 5G, de téléphone, de connexion, que soit on va le faire avec Huawei, là je parle des Chinois, et alors on va se faire avoir, ou je sais pas, ça va pas fonctionner, ça va nous cramer, ou j'en sais rien, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors, ça va nous cramer économiquement, hein, voilà, parce que je comprends pas. Ou alors il va se passer un truc et on va être super, voilà, je sais pas, ça va bouffer le sol. Enfin moi, moi personnellement, ça m'inquiète, quoi. Qu'ils arrêtent de toucher au ciel, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas, plutôt qu'ils essaient de voyager dans le temps, ce serait quand même vachement mieux que d'essayer d'attraper une comète, je sais pas. Ça m'énerve. Bon, voilà, donc effectivement, Angela Merkel est vachement contre et tout. Enfin, elle s'est fritée un peu avec Trump et tout ça pour cette histoire de 5G, là. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre que mon ordinateur aille vachement plus vite. Mais qu'est-ce que je m'en fous ? Voilà, c'est tout. C'est n'importe quoi. Moi j'ai la 4G déjà sur mon téléphone, ça marche même pas leur connerie, leur faut arrêter quoi, faut arrêter le délire. La 4G, tu parles, il n'y a rien qui fonctionne. Non, ça va, arrêter la 5G, non mais attends, mais. Bon bref, donc voilà, donc merci pour l'info de la 5G. Comme ça je me suis instruite et je trouve que ce monde est totalement taré, quoi. Ils sont tous fous. Hein. Ah si, ils sont vraiment tous fous. Bon allez, je vous fais des bisous. Ciao.